Pas forcément, parce que le domaine de l'informatique, c'est pas forcément ce que j'utilise souvent. J'utilise plutôt pour envoyer des messages, des textos à mes amis, mais est-ce que je suis compétent là-dessus? Je pense pas trop. En fait, je suis un peu normale, enfin, je sais faire des choses que après tout le monde sait faire, mais dès qu'on fait des choses plus compliquées, bah, j'arrive moins à suivre. Bah, ma mère, des fois, elle sait pas trop servir des réseaux sociaux, du coup, je l'aide. Je sais plus de choses qu'eux, du coup, je leur apprends comment faire et tout ça. Donc, si après eux, ils sachent des choses que je ne sais pas, bah, ils m'apprennent en même temps. Comme par exemple, ouvrir un LibreOffice ou des trucs comme ça. Ils savaient pas du tout qu'ils pouvaient faire un texte ou faire leur CV là-dessus, tout ça, que je leur ai appris, quoi. Non, moi j'ai un grand frère, ils savent mieux faire. Ils sont majeurs. Mais mes parents, non. Je suis plus compétente qu'eux. Par à mes parents, surtout par rapport à ma mère, c'est plus simple pour moi parce que c'est plus ma génération qui est mise en jeu. Du coup, par exemple, si ça aurait été quelque chose que mes parents auraient dû m'expliquer, j'aurais plus de facilité à leur expliquer comment servir de leur téléphone ou à leur expliquer comment débloquer des choses sur leur portable, leur ordinateur. Par exemple, au début, ma mère ne savait pas comment rentrer un fichier dans l'ordinateur. Et du coup, je lui ai montré que tu prends la souris, tu le déplaces et tu le débloques. C'est très simple à faire, en fait. Juste quand tu le montres une fois, après, elle le retient. Par rapport à ma mère, si je lui demande, par exemple sur YouTube, mets une vidéo ou un truc comme ça, là on l'a perdu. Elle s'en fout un petit peu en fait. Il y a juste sur Facebook où des fois quand elle sait pas où aller, elle me demande. Mais maintenant elle gère quand même un peu mieux. Pour les jeux Facebook justement, je lui ai appris à utiliser.